Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue. Ou sous TAC 509, vous êtes ici connecté ou dans l'émission parlant mon éditorial. Jodi an, c'est un tournant fatidique dans le pays, nous, dans la page l'histoire pays d'Haïti. Côté, matin, bien bonheur, nouvel assassinat président Jovenel Moïse, là, li tombe tant qu'on bombe, qui finalement résonne dans tout pays, dans quatre coins sous la terre, dans la diaspora. Tout le monde gen feedback de ça qui passe. Nous kabal non nouvelé. Relé l'assassinat, relé le complot, relé le trahison. La vérité est telle que yo touye un président. Un président en fonction, yo touye la kaili. Maintenant, si n'a pas essayé de poser bonne question, yo, à qui peut bien profiter sa mort? Est-ce que je dis en nous qu'à parler de gagnant? Est-ce que je dis en nous qu'à parler de gagnant et de perdant? Est-ce que n'a pas gagné assez courage pour nous camper, garder l'histoire, nanger face avec trahison sans pareil ça? Gen pile question ka pose, côté corps de sécurité présidenté, c'est trop facile. Tout moun jodi a gon question et réponse yo, yo poko jusqu'à date ka joine les réponses qu'il faut. Premier ministre par intérim nan, Claude Joseph, li même li tente expliquer sa le konnen de assassinat. Probablement selon lui même c'est un commando qui gen dans différents monde de différentes nationalités qui t'a parlé différentes langues qui rivé perpétrer zak malhonnête ça zak sadique ça. Maintenant si n'a regardé panorama qui gen là 6-7 juillet qui ça le caraplo qui ça le rappelo dans l'histoire pays qui ça le rappelo pendant que président Jovenel Moïse était sous pouvoir là 6-7 juillet 2018 6-7 juillet 2021 3 ans quelque part gon connexion. Premier bagay qui vini mal esprit, qui vini mal idée, c'est que 6-7 juillet 2018, dans l'histoire pays, non, sous ancien président Jovenel Moïse, de recruter de mémoire, parce que un président en fonction qui mourit, c'est pas un bagay. C'est pas un bagay jouet. C'est pas un bagay jouet. Peu importe lutte, peu importe et circonstance qui te gagne par rapport avec gouvernance li. Peu importe ça que t'as fait qui t'est sujet à révolte conscience collective population tomber dans zak barbarie ça tomber aussi bas jodi an là il y a un paquet de questions doit poser et réponse yo supposé joindre pour au moins pour peuple haïtien ka comprendre qui côté lié qui côté le garde jodi an 6-7 juillet 2018 li te vle di un paquet de bagay. Li manke en prise opposition politique là, li manke force opposition politique là te gagné, li manke teneur nèg yo te gagné pour fragiliser l'état parce que c'était période pays lock, nous sorti 6-7 juillet après nous prend n'importe 1 semaine à 2 semaines pays lock. En bas pas monter, en haut pas descendre. Et 3 ans après là, assassinat président nan même date là justifié. Li vin justifier niveau fragilité qui gagne dans question pouvoir politique dans pays et c'est là pour comprendre tout 6-7 juillet côté assassiné président Jovenel Moïse la Kaili c'est pas un hasard 6-7 juillet côté assassiné président côté attenté à vie madame président li pas un hasard pourquoi le 6 et le 7 juillet 2021 6-7 juillet dans l'histoire politique paysan, livre di yon bagay, li gon sens, li gon porté par rapport avec opposition politique lan, li gon porté par rapport avec position population te pran pou yote lok paysan. Et 6-7 juillet 2021, 3 ans après, assassinon président de la République, quelque part, yon vle justifier yon bagay. Yon vle prouver yon bagay. Est-ce que l'assassinat li gon porté politique? Autant de questions, mais nous pral chercher réponse yo. Jodi an tout moun gon opinion sou sak passé an. Étant donné que tout moun libre pou yo penser, tout moun libre pou yo parler, m pa ka kont approche personne, cependant moi-même pa ka aventurer même côté avec ou même j'avais yo. M la pour m'tendre, m'la pour m'aider nous comprendre, m'pa là pour m'anticiper, m'pa là pour m'indexer jusqu'à ce que notre officiel yo sorti yo même, jusqu'à ce que autorité concernée yo prenne les mesures qui s'imposent pour aider population, pour aider peuple haïtien comprendre ça qui passé, ça rivière et comment le faire rivi. Ou même jodi en tant qu'haïtien qui suivre politique pays a, qui groupe moun? Qui moun ou wè ki ka profite de l'amour sa, de zak assassinat isa, de zak malhonnête sa, parce que assassinon président en fonction, c'est pas un jouet. Ça traduit en pile bagay.
Ça traduit vulnérabilité nous gagne dans question sécurité. Question m'ta vle poser moi-même sans déranger personne. Côté chef sécurité président. Qui quantité nèg qui te gagne dans commando ça? Comment le faire aussi facile pour gagner accès à caille président, à la cour président? Peut-être c'est des questions qu'a prêté sans réponse. Mais tout lié à question politique jodi parce que Jovenel Moïse sur le président et en tant que tel c'est principal acteur politique payant. Quel est le bilan? Donc jodi a yo rentré yo assassiné président, yo touye président, yo tiré sur madame président. Pas de résistance. Pas de réplique. Yo! Gen moun qui suppose interpeller, gen moun pour yo questionner parce que bagay yo pas jouette. C'est parce que nous tellement joué avec question politique en dedans pays, nous prenons toute bagaille à la légère qui fait jodi an pays ka sombre dans ce chaos absolu parce que qui s'acrive tout un président en fonction. C'est dit que l'état était plate. C'est dit que en matière de sécurité, c'est vulnérabilité absolue lié. Donc jodi an là, si un président en fonction le pas à l'abri, nègri veut joindre accès pour tuer, pour attaquer. Donc, et population, sérieusement, moi, je viens de faire émission, je me trouble complètement. Je n'ai jamais pensé à cela parce que, est-ce que c'est politique là qui arrive là? Ah, pour politique là qui t'arrive là, pour t'entraîner nous, nous faire complot, pour t'entraîner nous, jusqu'à ce que nous fassions trahison ça, pour nous tuer un président, président nous. Contestation ou pas. C'est président nous, li représente nous par devant tout le pays, li représente nous tout côté qui reconnu par la communauté internationale, jodian, à qui ça nous semblait. Et pas qu'il y ait l'autre justification que la politique. Et si c'est démocratie qui baille toute liberté ça, toute latitude ça, pour nous faire ça nous voulons, gens nous voulons, pour nous bailler tête nous priorité, pour nous bailler tête nous droit sous vie moun. Pour nous bailler tête nous liberté, pour nous tuer moun nous voulons, gens nous voulons attaquer moun nous voulons, franchement nous pouvons comparer. Peut-être nous te ka dit tête nous, c'est président Jovenel Moïse qui problème non. Est-ce que problème nan résout jodi a là? Est-ce que stabilité pral tourner dans pays a là? Est-ce que après l'an mois président Jovenel Moïse là, pays en pral décoller? Est-ce que après l'an mois président secteur privé li pral prend responsabilité? Est-ce que mafia politique yo, mafia qui nan bourgeoisie yo, est-ce que yo pral libérer pays? Est-ce que nèg politique a tout fait yo? Est-ce que yo pral bay pays a en chance? Sincèrement, pas de jam gen prétention ça. M'pas de jam dit tête mon bon matin m'ap gen pou me lever pour me faire éditorial lan sou assassinat président Jovenel Moïse ou bien son tentative d'assassinat etc. Parce que je connais, malgré la sécurité, malgré toute stabilité politique, ça, malgré la gang dans le pays, au moins, corps de sécurité président, yon en mesure pour protéger, au moins, entourage président, li assez safe, li sécurité, et pas j'aime gon bagay comme ça qui fait. Parce que je garde la presse internationale, je garde ça qui passe en Afrique, je garde ça qui passe dans l'autre pays dans le monde, côté que j'ai une attaque qui fait sur le président, j'ai un président qui mourit, j'ai une attaque rebelle, etc. Mais, je réalise maintenant, politique, là, dès pour entrer dans la politique, il faut prêter à tout. Dès pour entrer dans la politique, ou sujet pour victime n'importe qui leur sans attendre. Et je dis, cette légèreté, ça, c'est ignorance nous de réalité, ça. Qui la cause président prend coup ça. Et c'est une situation politique que moi même pas prêt pour oublier. Parce que si m'a rappelé bien dernier assassinat qui vient pour avec et tuer président sous pouvoir c'était en 1915 époque Villebois Guillaume Sam le assassiné sous une palais national là et dans époque troupes américaines ont appris etc. M'pas que j'aime dit moi que gon éventualité pour une situation comme ça t'arriver dans pays parce que depuis le nous rentrer dans démocratie depuis le nous dit nous adopter principe démocratique qui dou dans démocratie dit et gen facilitation pour dialogue gen facilitation pour entente gen facilitation pour cohabitation m'pral réaliser que
Nous couvrir comme nous en bas démocratie, c'est pour nous faire l'autre pays accepter nous comme monde, comme dirigeant, comme leader, comme acteur politique. C'est l'homme bral vin nous face avec opposition politique ça qui gen là. Nèg yo refuse joindre un accord politique, nèg yo refuse joindre chita parler en tant que politique pour sortir pays à la crise. Et finalement bral bay kèk moun raison. L'œuvre voulait faire quoi que président Jovenel Moïse li mouri parce que le main dossier pas de main. Li parle parole li pa dwe parler, li attaque moun ke li pa dwe attaquer et il a été sévèrement puni. Jodi an fait trahison, an fait complot, nous ramener les mauvais souvenirs de l'histoire derrière nous. Nous ramener tout ancien président yo assassiné au pouvoir derrière nous pour nous mettre président Jovenel Moïse dans même panier, dans même ligne. Est-ce que c'est ça pays en besoin jodi an là? Est-ce que c'est ça nous besoin comme résultat politique jodi an là? Et qui avenir paysan, qui avenir politique paysan, qui avenir sécurité paysan? Depuis hier soir, balap pété, balap chanté, moun ap mouri, prison, nan port de paix, attaqué. Donc je dis là, qui côté nous camper par rapport avec stabilité dans paysan? Plusieurs pays réagissent, République Dominicaine là tout près nous, yo gen fermé frontière yo. Yo renforce sécurité sous frontière yo parce que yo connaît parfaitement bien ce qui sacré les haïtiens et vraiment li tap sans hésitation pour haïtiens pote bourré en République Dominicaine là. Donc yo supposé prendre les mesures qui s'imposent par rapport avec ça qui passe actuellement dans pays ya. Et jodi an la pays en émoi, tout monde suspect, tout monde obligé pintade goyo caché koyo parce que yo pa connaît qui réplique qui pral bay, yo pa connaît qui sa bandi pral faire, yo pa connaît qui sa gang pral faire. C'est bien que CSPN nan yo réuni, mais qui sa pral sorti comme plan stratégique, qui décision qui pral prend, qui accompagnement qui pral prend, qui contrôle qui pral mette. Là vraiment pays en besoin bon jeu sécurité, nous besoin bon jeu accompagnement. Et finalement, gros bagay pour nous comprendre. Yo kon di le bajou kase wa wè klè. Wa imagine nou, kèk tan avant président Jovenel Moïse, li décide li nomme un premier ministre. Un premier ministre qui tap genye un objectif pour mettre un gouvernement d'ouverture. On l'autre fois encore président Jovenel Moïse bay politique la en chance pour l'avancer. Li bay politique la en chance pour au moins pour voir comment on te ka résoudre crise. Et finalement on va comprendre que politique dans question politique dans pays pa gen de mesure. Dans question politique de dans pays soit ka diriger soit pas ka diriger. Politique la pa gen fè kado parce que acteur politique yo tellement couvri en bas hypocrisie, tellement gen de face caché nan yo, jodi an visage ba ou an demain c'est pas l'île ba ou, jodi an moun nan bon l'armé, demain la paré pour bon l'armé monter. Parce que politique la fait moun pa gen sami, politique la fait moun nan se propre tête li loué, politique la pa quitter accès pour yo renmen pays, pour yo faire tout ça qui bon pour protéger souveraineté pays, pour protéger sa pays an gen comme acquis démocratique. Jodi a si yo di nou instabilité, faut que nous ka lever doit nous aller pour nous dire oui parce que action ça qui posé à là, assassinat ça qui fait là, oui, li sujet a mettre plus instabilité dans pays parce que qui est jodi a là, qui opposition politique nous gen là qui pral accepter pour gagner en transition avec gouvernement? Qui opposition politique? Qui niveau fair play monsieur yo? Qui niveau dépassement de soi ou rien pour t'aller pour chita ensemble pour un dialogue qui fait vraiment pour qu'on ait qui bac pour le mener avec pays. Donc je dis là nous ka déjà ouais qui ça ka vini. Nous ka comprendre qui ça ka vini. Et en matière de sécurité dans pays. Donc bandi t'es déjà dans faire la loi le t'es président. Donc nous pensons pral gon bagay qui pral changer actuellement là dans question de sécurité. Si c'est pas une mission qui vient renforcer la police nationale d'Haïti, donc nous pensons haïtiens pral ka vivre dans pays, nous pensons pays à vivre toujours. Question yon en pile.
En pile haïtien gen inquiétude là. Tout moun ap cherche comment pour yo barricader la caillou. Tout moun ap cherche garder comment yo ka entre pi fond. Comment yo ka quitter et Port-au-Prince, toute zone avoisinante yo. Comment yo ka quitter Pétionville là, aller plus loin, aller plus fond. Parce que effectivement toutes conditions réunies pour ça moun yo te rêvé, pour ça nèg yo te rêvé comme guerre civile en dedans pays pour l'éclater. Toutes conditions réunies pour haïtien tomber tant qu'grain la pli. Toutes conditions réunies pour stabilité pas jamais suspendre dans pays. Donc jodi a c'est pas seulement le président yo assassiné. C'est tout ton espoir pour stabilité tourner dans pays. C'est tout ton espoir pour sécurité rétablir en dedans pays. Qui presque anéanti. Bien entendu, gon point qui est essentiel pour nous comprendre. C'est pas avec président Jovenel Moïse qui t'a pas de stabilité, c'est pas avec président Jovenel Moïse qui t'a gain sécurité à tout parce que nous connaissons comment situation était déjà. Nous connaissons toute inefficacité qui t'a gain déjà. Nous connaissons à maître reprise. Nous critiquons inaction autorité l'état déjà. Mais c'est empiré situation vient empiré jodi a là. Assassinat ça c'est une cause profonde qui a metté plus instabilité. C'est une cause profonde qui a metté plus dégâts en dedans pays. Que d'accord que pas d'accord. Il y a les partisans, il y a les sympathisants. Que d'accord que pas d'accord. Politique là pas fini. Contestation là pas fini. Bandi toujours gen zam nan men yo. Assassin yo toujours dans la rue. Donc qui est-ce qui est vulnérable? Haïtien yo. Population. Qui est-ce qui face avec danger imminent ça? Peuple haïtien. Ça fait triste. Matin moi se voit différents appels. Moun yo tellement là, moun yo tellement crié. Gen moun an pa lavel, li san lè fò kriye tout parce que au fond humanité qui nan moun lan li traverse m, moi même kap tande moun nan kap kriye, kap di ki kote kounye a famille yo, ti famille seul frèl cousin ki a ici, ki kote yo pral liye, sa yo pral fè parce que moun yo gen tan pressenti comment insécurité a pral liye, yo gen tan pressenti comment instabilité, comment moun pa ka sorti, comment moun pa ka fè sa yo vle vraiment. Moun yo pressenti danger a k'ap vini. Donc est-ce qu'on met moi à l'aise? Comploteur, est-ce qu'on à l'aise? Bien évidemment. Pour un pile moun, président te problème nan. Président pa la encore. Donc jodi a tout moun ki te vle, ki te di yo te gon bagay yo te ka fè pou peyi, ki te vle fon bagay pou peyi, te di se président ka peche yo. Donc jodi a la démontrer son café a prouver son café a prouver tête tout que ka font bagay ko ka utile vraiment ou te gen progrès ou te wè progrès pour pays jodi a fait pays progresser ou te envisager développement pour pays jodi a bay développement on nous suspend avec hypocrisie politique ça hypocrisie depuis mandeur ou en deuil tout. Hypocrisie, wap mode, demeratement de souffle ouye. Hypocrisie, matin, on avem pito, pa avem nan. On nous suspend. Parce que nan politique, on nou pap defan pays. Nan politique, on se tête nou noue. Jodi, ki kon nèg ki di mwa fè politique. Yo pa pare face avec événement sa. Yo pa tiron leçon de sa passe jodi an la. Pour yo di oui pour on fwa. Se pays an yo we. Oui pour une fois c'est aller mieux pour chaque grain haïtien ouais y a pas besoin venir espérer que population pral faire confiance pral quoi yo si pour des raisons politiques jodi an nous rivé là nous rivé nan bout ça nous rivé nan extrême ça pour un président au pouvoir rivé joindre l'amol la caille pour des mercenaires rivé rentrer dans pays assassiner un président. Que bagay ki pa machi. Même nos structures de l'administration, même des institutions de l'État, gen des bagay ki pa machi. Jodi an, comment fait étranger après entrer dans pays pour tout moun à l'aise
pas gen information qui baille pas bon côté autorité concernée yo, pas gen feedback qui baille, pas gen rien dit. Tout moun levé, OK, a pleuré la mort du président comme si de rien n'était. Mais non. Zam ap rentre nan peyi, pa gen kontrol. Zam ap débarqué nan douane, pa gen kontrol. Chaque jour, chaque semaine, cargaison zam saisi. Qui ça dit? Qui ça fait? Rien. Et jodi an la nou pral réaliser que si c'est nan chita gade, si c'est nan question tizan mi zan mi tay. Nou vle mene bak peyi an, nou risque wè sa ka prive. Nous risquons ouais ça qu'a passé chaque monde qui voulait prendre pays ça. Si c'est dans facilité ça il va le mener bac payant. Si c'est dans légèreté ça dans chita garder ça dans cocodai ça il va le mener tête payant. Nous risquons ouais ça qu'a venir puis devant. Et jodi an après nous dit nous rentrer dans démocratie, nous dit nous rentrer dans dialogue. Nous dit nous n'a préparé le renouveau national. Et puis c'est ça nous gagne comme résultat. Jodi an tout le monde qui a rentré dans la politique, tout le monde qui a aspiration vin président, tout le monde qui a aspiration vin remplir une fonction élective dans paysan, faut que repenser à deux fois. Parce que si c'est modèle politique ça qui gagne toujours. Si c'est modèle acteur politique hypocrite ça qui gagne toujours. Si c'est modèle bourgeoisie corrompu ça qui gagne toujours. Qui pas admettre tort yo, qui pas admettre échec yo, qui pas admettre irresponsabilité yo. Qui toujours a détourné la vérité, fait vérité en tourner des raisons politiques, fait vérité en tourner des armes politiques pour camper population, pour changer opinion publique dans pays après comme ça. 5, 10, 15, 20 ans, pays après comme ça. Et probablement, je dis au cas dit tout, président Jovenel Moïse mouri et qui ça ka gen demain? Qui ça ka vin demain? Qui ça ka vin après demain? Ça ka vin après demain en li là déjà. Li fait déjà le préparer déjà parce que jodi en tant qu'haïtien ou gen responsabilité tout nan sacrivé nous tolérant trop peu importe conviction politique ou peu importe idéologie ou peu importe qui connait jodi en faut que nous ait un problème nous pas ka chita nous prétendre que tout bagaille marche bien tout bagaille calé bien. Si c'est moun dehors qui vient de résoudre, si c'est moun dehors qui viendra les oreilles nous faire chita pour nous parler ensemble, tout bagay ka aller bien. Pas gagne ka pral bien parce que c'est nous-mêmes qui problème non. Problème non c'est dans nous lier. Jodi an gen intérêt moun n'ap défendre, intérêt ti bourgeois, intérêt soufnan chou yo. Yo mette nous devant la politique là pour nous défendre intérêt yo. Jodi an nèg la rele tête ti gros entrepreneur, il gen des intérêts politiques dans pays. Ou faire business sans bon cob. Qui raison gen jodi a pour apprendre quoi dans politique? Qui raison gen jodi a ou fin financer campagne nèg pour nèg za li oblige redevable envers ou même? Pour nèg za pour kembe l'angol pour le bord des privilèges indéfinis en dedans pays. Et bouchou seulement fun pour manger? C'est bouchou seulement qui gen privilège manger bon bagay? Et peuple haïtien, donc c'est favorisant et puis défavoriser intérêt général là. C'est bon avantage et puis défavoriser l'intérêt général. Jodi an, politique là, li led, li sale. Pour des raisons politiques, nous pas supposé arriver là. Pour des raisons politiques, nous pas ka favoriser insécurité. Pour des raisons politiques, nous pas ka arriver dans stade de complot ça. Bagay sa pire de gon coup d'état, bagay sa pire de complot contre la sûreté intérieure. Contre la sûreté même de l'État. Je dis en Premier ministre Abdou, tout bagaille sous contrôle, tête frette. Et vrai Premier ministre, et vrai PM Claude, ou sur tout bagaille sous contrôle? Pour qui ça c'est après assassinat tout bagaille sous contrôle? Et pourquoi pas avant? Pour qui ça je dis en peuple haïtien oblige à pleurer, à crier des pauvres président? Aimer ou pas? Vénérer ou pas? Accepter ou pas? Contester ou pas? Jovenel Moïse est président pays. Nous arrivons trop loin. Nous arrivons trop loin. Est-ce que le commandant a été venu sans que pas de grand monde qui te relève? C'est bonne question ça. Est-ce que jodi an, on commande à rentrer dans le pays sans que le pas de gagner des monde qui sollicite le monde qui sollicite présence sur qui est lié? C'est comme ça on m'a comprendre tout bagage sous contrôle moi-même. C'est comme ça m'a comprendre grand avancer qu'a fait tout un assassinat ça.
C'est comme ça m'a comprendre que bon bagaille vraiment qu'a résout dans le pays. La fumée pas jamais lever sans du feu. Mais ce n'est vini, il a parlé toute langue. Comment yo fait là? M'a songé le te mercenaire qui t'est rentré dans le pays. Nous te cherchons explication, nous te bail. Jodi un mercenaire vini, commando vini yo assassiner un président, bail explication, bail peuple explication. Bail communauté haïtienne qui dans diaspora explication, bail le monde explication. Nous doué payer ça. Nous doué mémoire président ça parce que trois banques étaient impunies. Trois procès étaient pendant. Trois victimes étaient sans yo pas joindre justice. Je dis est-ce que président li pral allonger liste moun ka prêté sans justice sans? Est-ce que président le vin allonger liste les victimes impunies de la nation haïtienne? Tout ça m'te gen pour me dire yo. Choc là tout moun prend le matin. Hein? Saisissement tout moun prend le matin. Hein? Inattendu ça, li paraît tout moun prend le matin. Hein? PM Ayan Claude Joseph, li sot bay discours circonstanciel li. Discours de circonstance sur assassinat président Jovenel Moïse. Et tout ça, premier ministre dit, hein, li pas différent de sa kon di déjà. Peuple haïtien, frère Maxime, je nous tout connais, dans la nuit ayer pour l'ouvrir matin, yon commando débarqué dans la résidence président de la République. Yo tiré et puis yo touye président République là. Yo blessé madame li qui coulier a prend soin que cal nécessité. Premier élément information nous gagnons, ta fait nous connaît que c'est un groupe moun qui t'a parlé anglais avec espagnol. Je te gagne un gros âme fan fois dans mer qui touye président de la République là. En tant que chef gouvernement qui toujours en fonction, moi réuni matin un CSPN spécial dans strict application article 149 constitution. On fait que ce président un conseil ministre à l'extraordinaire. Côté nous décider déclarer état de siège sur tout le pays. On partager la peine madame président qui était trouvé ensemble avec lui en soirée ça. On partager la peine petit président qui c'était en priorité pour moi depuis matin pour être en lieu sûr. M'a demandé population pour garder calme. M'a fait appel à intelligence des haïtiens dans un moment difficile ça. Frère Maxime, nous connaît qui bataille président t'a mené. Nous connaissons le président Jovenel Moïse, c'était un homme qui avait un peu de courage. Tout le monde, tout secteur dans le pays, doit faire un seul pour condamner ce qui arrive. Les Haïtiens, gardez calme nous, parce que la situation est sous contrôle. Conseil ministre, nous réunis, je ne sais tout à l'heure, dans stricte application article 149 là, pour assurer la continuité de l'État. Président Jovenel Moïse, pape mourir sans le pavé de justice. Pour qu'à tout yel, pour qu'à tout yel, président Jovenel Moïse, on va qu'à tout yel l'idée lui. Société nous souhaite, pays nous voulons construire, c'est dans le respect, principe, avec jouet,
démocratie a pour nous arriver joindre. C'est pas non assassiner yon moun qui gagne yon idéologie différent à quoi. Moi mande toute force vive nation accompagner nous dans la bataille. Toute force vive nation accompagner nous dans la continuité de l'État. Parce que cette démocratie, cette république-là qui pour gagner. Force fait noyau, il a perdu quand même. Quoi fait pays à mal? Quoi fait nation à mal? Et coup ça, l'amour ça, il n'est pas prêté sans le pas puni. Encore une autre fois, sympathie avec famille, amis, alliés, président Jovenel Moïse. Je vous remercie CSPN que je préside jeudi à l'extraordinaire. Tout ministre qui est sous pied, sous deux pieds depuis le matin. Parce que ça qui passe, il faut nous comprendre. Auteur, assassin, président Jovenel Moïse, il a payé ça a fait devant la justice. Gardez calme nous. Sécurité pays a sous contrôle. Force vive nation. En nous chercher harmonie, en avancer ensemble. Pour pays a pas sombrer dans le chaos. Merci tout le monde. Crime n'a pas prêté impuni. Li pas prêté impuni, li pas prêté impuni. Combien de fois crime a prêté impuni en dedans pays? Jodi an nous rive dans moment pour nous questionner. Pouvoir judiciaire là pour nous questionner qui ça nous gagne comme justice en dedans pays là pour quantité moun pour quantité massacre qui fait pour quantité actes corruption procès pendant instruction pendante pour quantité victimes qui tombaient tout récemment Diego Chol Antoine Duclair plus l'autre 13 moun qui assassiné yo. Même Jean, premier ministre, te prend micro la presse, li dénoncé, li condamné. Et on mande pour justice, fait travail pour la justice. Je dis, ironiquement, c'est président Jovenel Moïse qui est dans la situation pour demander justice pour lui. En justice, corrompu, en justice qui pas fait travail, en justice partisane. Et bien avant nous, le pouvoir judiciaire, je dis, fok la police, fok l'armée, fok DCPJ, fok ANI, fok tout moun sa ou mobilise, oui. Fok gen bon jan enquête ki fait. Donc jodi an la, commando fin fè attaque yo, fin assassiner président, kote yo ye. Nan ki zon yo ka jwenn yo, comment enquête la ka permet yo retracer moun sa yo pou yo remonte jusqu'à moun ki te fè appel avec yo an. Donc moun konnen gen bagay ki difficile. Parce qu'on pas jamais mon côté de l'eau sorti l'entrer dans bois mon pas jamais li ka difficile pour connait je dire qui yes moun ki caché derrière lui parce que bien entendu ça qu'on rive pour moun pas ta penser dans complot oui ça qu'on rive mais je dire l'essentiel base même faut qu'il ka fait faut qu'enquête solide yo fait faut qu'yo inculpe moun faut qu'yo présenter des présumés coupables devant la police devant population. Faut que la justice connaît lui-même qui est cible. Je dis, nous pas parler de justice sans que nous pouvons identifier moun ki des actes. Nous pas parler de justice sans que nous pas une idée de comment action ça a fait perpétrer, de comment elle fait arriver jusque là. Justice sans c'est une. Joignons moun pour condamner son l'autre. Et c'est ça qui est plus important. C'est ça qui est plus important. Et moi pas ta espérer que assassinat ça l'est impuni. Moi pas ta espérer que zak malhonnête ça l'est impuni. Parce que bien entendu, il s'agit d'un ancien président de la République. Jodi an mande tout qui meilleure façon
haïtien gagné pour te venger président Jovenel Moïse, sinon que rendre lui justice. Sinon que chercher coupable yo traîner au devant la justice condamné. Donc je dis à pas prétendre que vengeance c'est dans et faire des ordres, vengeance c'est dans craser briser. Non. Ça va pas changer rien. Et si vraiment nous gè souci pour nous changer pays, nous gè souci pour nous mettre stabilité, pour nous avoir condition vie moun changer dans pays. Jodian, c'est enquêter, enquêter, enquêter. Pas gè pi important que ça. Et tout le monde qui est victime de insécurité en Haïti, yo, tout le monde qui est victime de légèreté autorité l'État, yo, je dis, il faut que la justice enquête, il faut que la justice fait travail, fait ce que de droit, cherche coupable, puni. C'est seule façon ça, nous qu'à venger des pauvres présidents. C'est seule façon ça, nous qu'à venger tout l'autre monde qui tombe en bas de l'assassinat. Pas de l'autre façon. Je dis, hein, le monde entier consterné, communauté internationale consterné, OEA consterné par assassinat président, États-Unis, tout le monde sa ressorti note, yo sorti note, yo bay position, yo condamné sa fête là. Est-ce que ça suffit? Est-ce que le simple fait ou constater zak là, ou constater assassinat, ou condamner, ou sorti une note, ou condamner, et ou mande à ce que autorité compétente yo fait ce que de droit pour assurer continuité l'État. Et oui, il faut assurer la continuité de l'État. Faut que l'institution continue à fonctionner, faut que pays continue engagement gagné yo. Et c'est pour ça dans l'article 59, Constitution 87 là, il dit très clairement, en cas de vacance de la présidence de la République, soit par démission, destitution, décès ou en cas de capacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre exerce le pouvoir exécutif jusqu'à l'élection de notre président. Qui ça veut dire? Donc, en cas de vacance présidentielle, depuis président yo destitué, li démissionné ou bien mouri ou bien frappé d'une incapacité physique mentale qui pas permettre li diriger pays, qui pas permettre lui diriger tête l'État, c'est conseil des ministres qui a assuré présidence pays et c'est premier ministre et c'est premier ministre bien entendu qui a joué rôle président pays jusqu'à ce que élection faite pour mettre on l'autre président. Et même article 59 ça dans alinéa 2 il dit très clairement: le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République pour le temps qui reste à courir a lieu 60 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance conformément à la Constitution. Donc là, nous connaissons qui s'en est là, nous face avec une transition. Tout en opposition à des transitions, eh bien, je dis là, assassinat président, mettez-nous face avec une transition politique. Et premier ministre par intérim Claude Joseph, parce que jusqu'à date Ariel Henry li nommé, c'est vrai, mais le pot ko rentre dans fonction, investiture pot ko fait, li pot ko monter cabinet. Donc Claude Joseph gen pour l'assurer intérim payan, li gen pour l'assurer présidence, et ceci jodi an gen devant le 60 jours jusqu'à 120 jours. 60 jours c'est 2 mois, 120 jours c'est 3 mois pour li gen t'en faire élection puis mettons le président dans tête pays. Donc là, qui ça veut dire? Qui ça traduit? Vu que nous avons une transition politique, CEP a annoncé date élection. CEP a annoncé calendrier électoral, décret électoral est publié dans le journal officiel pays, le Moniteur. Donc, dis-moi bien, est-ce que nous pas face avec une instabilité politique? Dis-moi bien, contestation opposition politique, on va le faire là. Par rapport avec Claude Joseph qui pral gagner pour assurer intérim dans tête pays, dis-moi qui ça nous est. Est-ce que CEP a gagné en mesure pour le chavirer toute bagaille pour yon dou cause référendum nan ça li déjà annulé pour yon ta dou beaucoup nye a yon pral faire élection aussi rapidement possible? Est-ce que li possible li même pour yon fèl? Donc je tiens là nous face avec un paquet d'incertitude. Payant face avec un paquet d'incertitudes politiques, parce que yon nan cause profonde
qui mettait plus instabilité aujourd'hui, c'est assassinat président Jovenel Moïse. Et faut que nous clair sur ça. Question transition, nous la dans. Tout le monde a couru pour transition, nous pas de transition. Et effectivement, transition avec opposition politique, là, pas de gain monde qui t'a envisagé. Seule la classe opposition même qui ont même yoté ouais ou la dal yoté senti yoté pas les adel. Et jodi an gade nan ki sa pays an tombe. Jodi an la pays en état de siège, nous gon opposition plus ou moins structurée. Tout moun ap dénoncé, tout moun ap condamné avec véhémence, avec la plus grande fermeté, la plus grande dureté, etc. Mais perte l'an li fait déjà. Et nous ap présenté toute sympathie nous avec famille président, avec petit président qui est affecté par deuil ça. C'est triste avec tout partisan qui au même yo senti yo vidé, qui au même yo senti yo terrorisé par ça que fait là. C'est comme ça je dis en m'a mettre en bout dans émission mon éditorial. M'espérer que ou t'es attentif et ou essayer comprendre tableau panoramique ça qui dressé dans politique là qui dressait de assassinat président. Président Jovenel Moïse, il était très aimé d'une partie de la population. Il était contesté dans l'autre partie. Il a causé politique et c'est un combat. Un combat au jour le jour qui t'a mené par opposition politique là, par pouvoir, pour voir comment il était fait tac au tac. Et finalement, dans souci pour imposer par rapport avec opposition politique là. Nos soucis pour imposer sur la mafia bourgeoise. Il l'a payé de sa vie. Et n'a comprendre que dans politique dans pays il y a pas gain demi-mesure, dans politique dans pays on soit fait politique soit pas fait politique. Dit déjà bonjour là bonjour, pas dit déjà bonjour là bonjour. Et je dis à ou même qui envisage venir dans politique pour faire politique qu'on koto a camper. Qu'on qui façon pral jouer. Le jeu de la politique, li ka koutou la vie. Le jeu de la politique, li ka exilo. Le jeu de la politique, li ka fò pran prison. Politique là, c'est Jean Nouel là. C'est Jean nou constate là. Effectivement, m'a exhorté toute population haïtienne à la prudence. Ou même ka viv nan pays, fait extrêmement prudence. Parce que nou pa konnen kote atak yo ap soti. Nou pa konnen ki sa gen deye encore. Nou pa konnen ki sa ka vini pi devan. L'essentiel, ou même qui a regardé vidéo, rete prudent, rete vigilant. Pas prendre la rue ou pas besoin, pas sortir sans besoin. Principe là, il pas changé. Gardez vidéo, partagez vidéo avec tout contact. Quittez un commentaire, quittez un like. Rendez-vous en l'icassé pour demain sous même chaîne dans la même l'heure pour l'autre sortie de mon éditorial. Des micro-présentations, c'est toujours même Yannick la même voix, rien n'est pas changé. Merci tout le monde. À très bientôt. Mon éditorial. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits. Mon éditorial, on dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel par là pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle épée, nous prenons le fait débat, c'est toujours même Yannick Lan, même voix. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.